toi, Janine. Vas-y, pipi. Libido lambada. Samba si samba la. Oh. Allez, 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 allez. Chloé, si t'avais vu comme c'était réussi, on a ri, hein, trou-trou. Oui, bébé. Chloé, qui suis-moi? Ma mère. Bon, eh bien, vas-y, mais je n'ai pas l'habitude de revenir sur mes décisions. Et j'entends qu'elles sont respectées. Madame le juge, c'est totalement injuste. Monsieur. Droit de visite limité. Faut toujours se mettre à son diapason. Maintenant, c'est moi qui prends les choses en main. Et je vais sûrement pas attendre 6 mois. Oubala. Si je fabrique, il est givré. Merde. Avion hypersonique. Il a pas un peu oublié de grandir, lui. Chloé a disparu, personne ne sait où elle est. Chloé est avec vous? Je sais pas bien comment vous appelez encore. Belle maman, mémé. Si, c'est Zélane. Je ne suis pas votre Janine, passez-moi Chloé immédiatement. Mais pour qui nous prend ce petit con? Je suis Zygmunt. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Pourquoi tu m'as fait venir ici? Je veux pas te faire de peine, Chloé. Bah, tu t'amuses avec moi. Tu sais où ça peut te mener, ça, mon petit bonhomme? Tu veux les tarifs? T'es un malade. Quoi? Je vais vous appeler du renfort. J'ai l'impression que notre client veut nous faire tourner en bourrique. J'ai du nouveau pour toi. Du nouveau? Oui, du nouveau, Jean-Bert. Je vais te lui organiser une garde à plateau. Moi, tu vas voir à Fleury de Rogis. Monsieur Parme. Monsieur Parme. Faut que tu me présentes Charles et Audrey. Fais-moi confiance, Manu. Comme sur le glacier. Si mon père avait pris le risque d'avoir toutes les polices de France au cul rien que pour m'avoir, je crois que j'aurais bien aimé ça.